Et le balayage est important à plusieurs points de vue. La première considération de ce barrage est la régularisation du bassin du Niger, du fleuve Niger, qui aujourd'hui connaît une pénurie très très drastique du point de vue pluviométrie et de la régularisation du monde. Et ce bassin a aussi d'autres importances, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de la sauvegarde et la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Aussi important du point de vue contexte régional que du contexte national. La plus grande problématique liée à l'aménagement du barrage de Fourmi, c'est justement l'aspect environnemental. Et qui parle d'aspect environnemental parle des populations à déplacer dans un tel cas. Le travail du foncier en Guinée connaît une certaine insuffisance dans le cadre législatif où on a besoin d'avoir un accompagnement et définir les cadres d'intervention des différents intervenants au profit des populations et élargir la concertation également avec ces populations qui sont vraiment des propriétaires coutumiers sur lesquels il faut tenir compte que c'est eux justement que l'étude doit s'adresser et doit prendre en compte leurs préoccupations.